C'est vous? C'est Monsieur Akrajo. Et vous résidez où? Songwagba, chef de gare de Songwagba. Alors, si vous appelez Akrajo, ça suppose que vous êtes du village d'Akrajo. Moi, je m'en suis du village d'Akrajo, propre même. Mon papa s'appelle Akpajan. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cette histoire de Cannes, Sénégal 92? Depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette histoire de Cannes, Akrajo, éléphant, bon, on ne sait pas. Bon, je pense bien que 92, Sénégal, à ce moment-là, c'est Diby René qui est ministre du sport, non? À ce moment où vous étiez là. Bon, d'accord. Vous envoyez des gens à Akrajo pour que vous preniez votre coupe. Ghana, Côte d'Ivoire, comment c'est passé? Côte d'Ivoire a pris coupe là, non? Après ça, le village n'a rien vu personne. Moi, on se demande, Diby René. Diby René n'a rien envoyé les villageois d'Akrajo. Aujourd'hui, là, ceux qui veulent prendre coupe, la donner deux fois là, ils ne sont pas là. Vous avez un problème dans ça? Quand vous êtes venu à Akrajo, les gens ils tournent là, c'est à cause de ça? Si vous êtes venu direct là, il n'y a pas de problème. On n'a pas, vous n'avez pas de problème. Nous-mêmes, on n'a pas de problème. Mais vous demandez du virer. Pourquoi nous, on va à Akrajo et puis à Akrajo, nous refuse. Ça, le gouvernement ne peut pas demander Côte d'Ivoire. RTG ne peut pas demander Côte d'Ivoire, une chose du virer. Et on est dans un problème comme ça aujourd'hui. Nous tous, hein, ce n'est pas lui seul, nous tous. Aujourd'hui, à faire des coupes là, vous venez, on vous tourne. Est-ce que vous allez voir qu'un aller l'Afrique a pris tous les coupes là, non? Vous oubliez ça? Afrique a pris tous les coupes. C'est tout ça que vous avez couru venir à Akrajo. Maintenant, vous êtes venu là. C'est qu'on vous dit de faire, vous faites. Vous ne faites pas. Tout aujourd'hui là, tout ce qui va vous tenir Côte d'Ivoire, ils sont plus là. Ils sont perdus tous. Laissez les enfants là qui sont là. Aujourd'hui, vous êtes venu à Akrajo, va vous refuser. Si Akrajo vous refuse, ils ont raison. Ils ont raison de vous refuser. Ceux qui vont cacher pour venir, ça, ils ont caché. Si Akrajo accepte vraiment pour vous tenir là, Côte d'Ivoire ne peut pas éliminer dans la coupe. Toutes les coupes de Côte d'Ivoire, ils vont prendre. Même coupe du monde, Côte d'Ivoire va prendre. Comme il y a des gens dedans, ils ne vous demandent pas pour que vous trouviez les hommes là et ils viennent vous dire, c'est ça, vous comprenez. C'est les envoyés là, non? Vous envoyez l'air, non? Ce qui vient vous dire, vous avez compris, non? C'est ça, on a un problème aujourd'hui. C'est aussi aujourd'hui là. Mon papa, il est mort de quoi? Il est mort d'un coup de ballon. Il n'a rien, il n'est pas malade. Il n'a rien fait et puis il est mort comme ça, à coup de ballon. Ces jeunes-là, ils disent, si tu n'as pas donné manger des ballons là, tu vas partir. Et c'est vrai. Nous, en ce moment-là, nous, ça nous fait mal. Mais est-ce que vous, à Akrajo, aujourd'hui, là, vous avez approché les autorités pour leur expliquer, pour leur demander, est-ce que vous avez fait ça? Non, ceux qui sont devant là, on les demande, on va venir là-bas face à face, et ne veut pas nous montrer les gens là-bas. Face à face, on ne peut pas. Donc maintenant, là, on a vu clair, même si vous êtes venu même, c'est pour signer papier. On signe papier, on n'envoie pas quelqu'un. Et vous-même, vous venez. Si c'est reçu, c'est ça. Si c'est pas reçu, ça c'est devant vous. On ne peut pas envoyer quelqu'un. Ça cause un problème là. Bon, on leur dit, bon, on va venir là-bas, ils ne veulent pas nous montrer comment. Nous, on fait comment? On ne connaît pas la route. C'est eux qui connaissent la route et puis ils envoient les gens. Les gens là aussi, on ne peut pas les demander. Et c'est ça, on a toujours du problème là. Alors, vous pouvez nous situer le village d'Akrajo parce que pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, ils voudraient savoir Akrajo c'est où parce que le nom est tellement parti. Oui, mais on ne peut pas. Tu sais, ça c'est une affaire. Bon. On ne peut pas expliquer tout, on ne peut pas tout. Hein? Chacun il cache pour venir faire ses affaires. Il y a beaucoup de gens dans nous, au village et dans le pays là. Donc nous, on ne peut pas monter notre secret à quelqu'un. L'homme qui veut, là, il vient à Akrajo, il demande si on peut l'arranger, on peut l'arranger. Si on ne peut pas, on va te dire, on ne peut pas. Il y a beaucoup d'hommes dans notre pays là, maintenant, actuellement, je te dis là. Donc ceux qui connaissent là, c'est ceux-là qui peuvent vous prendre pour venir et demander bien avant qu'on vous touche. Si elle ne veut pas là, comment on peut vous toucher? On ne peut pas vous toucher. C'est sûr qu'on a un problème. Donc si le gouvernement décide maintenant de venir voir Akrajo et de payer ses dettes envers le village, vous pensez que quelque chose sera fait, on pourra prendre la coupe d'Afrique? Voilà, ça je suis d'accord avec vous. Si le gouvernement décide là, le gouvernement décide, hein, on n'a pas, faut pas vous envoyer quelqu'un. Hein. Le gouvernement même il vient, on va faire enquête. Si vraiment le gouvernement, on t'a envoyé. Là, avec Akrajo, vous serez d'accord. Coupe qui vient là, Akrajo peut prendre rendez-vous. Si ce n'est pas ça, c'est zéro. Akrajo ne peut pas engager dans cette affaire encore. Mais les autres pays aussi ont des... Non, j'ai dit, si le gouvernement lui-même a pris décision, venu vous voir, et vraiment on a tort,
Ce qui s'est passé là, vous n'avez pas oublié. On va, je vais ranger avec vous. Maintenant, là, c'est face à face. Nous-mêmes, on vient face à face. On ne veut pas envoyer quelqu'un. Et la CADIO a accepté, ça peut aller. Mais les terriers, tout ça, nous, on s'en fout. Nous, si on a décidé qu'on va, on va prendre. Envoyez la saga tout. Vous envoyez la personne va venir. Ce qu'on n'a pas lui dit, là, ça, il va venir vous dire. Donc, nous, on est assis dans nos notre viande, j'ai posé dedans, je mange mon igname seulement, riz, le reste, nous, on ne connaît pas. Maintenant, là, nous tous, on voit clair maintenant. On ne veut pas envoyer quelqu'un. Si vous-même, vous voyez que vraiment, vous êtes, ça vous a dépassé là, vous n'avez qu'à venir. Vous venez à Kradio, vous voyez les chefs du village, ils vont vous réunir tout le monde, ils disent oui, on a mal fait. Maintenant, là, on va venir face à face avec vous pour arranger notre affaire. Et puis, il ne faut pas ça durer. Hein. Ça est devant, non? C'est deux maintenant, il faut partir. C'est deux maintenant, il faut arranger avec. Alors, mais vous aujourd'hui. Comment vous expliquez le fait que la Côte d'Ivoire ait pris la dernière Coupe d'Afrique 2015? Non, attendez, ça là. Parce qu'on n'est pas venu à Kradio. Non, oh, monsieur, reste tranquille. On ne peut pas détailler tout ça là-dedans. Est-ce que tu me comprends, non? On ne peut, peut pas détailler. Il faut, ça là, il faut laisser de côté. Ça, quand on ne peut pas prendre coupe là, il faut rester comme ça. Il y a des gens qui volent, non? Il y a des gens qui cachent pour chercher femme, non? C'est ça, d'autres, ils ont caché. Sinon, ce n'est pas vrai, vrai. Akayo qui est descendu au terrain là-bas. Donc, il laisse ça du côté. Il faut voir seulement, il faut voir et puis tu fermes ta bouche. Voilà. Donc, maintenant là, que tu as décidé là, c'est Dieu qui a fait, puis je vous ai rencontré aujourd'hui. Hein? Maintenant, le gouvernement décide. Il faut te voir. Le gouvernement a décidé. Ils vont dire, ah, on va à Kradio. Ah, le chef du village. Vous arrivez à Kradio, il y a des gens. Ils vont appeler, on veut voir Kradio même. Ils vont réunir, ils vont s'attendre. Ah, il y a Kradio et puis il y a Kradio. Non, il y a Kradio. Parce qu'il faut que le village réunisse. Il faut que le village réunisse. Ah, les gens, ils sont venus là. Et maintenant, les vieux, ils vont partir à côté. Ils choisissent les gens pour te dire une affaire claire. Il ne faut pas ils vont faire des choses comme les soulards ici, là. Nous, on ne veut pas ça. Le jour où vous êtes parti là, il faut moins au courant. Mais vous avez dit que votre père est décédé, et ceux qui détiennent oui, mon papa du sang à Kradio, ils sont décédés. Oui, mais mon papa est décédé. Mon papa est décédé, il y a des gens. Tu me comprends? Il y a CP1, il y a CP2, il y a CP2, et comme ça, ils sont là. Vous partez à Kradio seulement, si c'est ça là, ils vont vous dire, première chose, vous avez blagué nous, Dibi René, il n'a pas nous donné, donc on ne vient pas. Mais quand même, on pardonne, non? Vous les pardonnez-les et tous, ils vont rester ensemble. Ils vont rire avec vous. Vous les mangez, vous les rire, vous les boire. Et ils vont prendre des décisions. Ils vont vous appeler maintenant. Quand vous êtes venu parler à faire là, bon, quand? Tant, où Eric est fini, et c'est OK. Si c'est moi, c'est là, c'est une ville que vous devrez tenir. Comme un bébé, vous lavez le bébé, vous surveillez le bébé, là, jusqu'à le bébé les va gagner. Maintenant, c'est devenu yaouya. Donc, bon, on ne peut pas rentrer dans cette affaire. Ça dépend de vous. Moi, où je suis, je n'ai pas l'argent pour dire que bon, je vais rentrer faire ça. Non. Non, conseillez-vous. Moi, où je suis là, je gagne combien? 5 francs, 5 francs, je gagne. Pour moi, c'est pour manger. Voilà. Et suivre l'argent et puis venir mentir. Non, moi, où je suis là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas l'homme qui m'a là, je ne veux pas marcher avec lui. Dis à quoi aujourd'hui, je vous ai trouvé, non? Je ne veux pas la fête d'Akadjo. Vous n'avez qu'à attraper Akadjo comme de l'eau. Il ne faut pas l'eau les va casser, il ne faut pas l'enfant les va perdre. Vous restez avec lui pour toujours. Tout ce que vous voulez, Akadjo va vous faire. Mais si, regarde ce que Dibi René, tout le monde est découragé. Dibi René, son corps est brûlé sur Yassap. Son saucisse qui porte, mais c'est à Kradio là-bas. Alors, nous, comme ça, nous, moi, ça me fait honte même. Marcher avec quelqu'un et puis tromper la personne là, c'est pas bon. Merci beaucoup. À Kradio. Que vous avez découvert ici. Ivoire TV, Ivoire TV.